Manix en veut plus sur Scofield. J'ai vu Sucré et Scofield se chicaner pendant l'émeute. Et maintenant, Sucré s'installe avec moi. J'essaierai de lui soutirer des renseignements. Paxton, t'as un nouveau pote. Rentre là-dedans, Sucré. Soyez sages, les filles. Paxton, c'est ça? Ouais. Tu t'es pris le chou avec Scofield? Ouais, ça arrive. C'est quoi le deal avec ces tatouages? Il est cinglé, mec. J'aimerais bien les voir de plus près. On dirait de l'art. Pour lui parler, va voir Abruzzi. C'est lui qui fait l'emploi du temps des TP. Hey, Sucré, j'ai installé le disjoncté avec Scofield. Ça devrait être bien fandard. Paxton, c'est l'heure des TP. Hé, hey, Paezano, j'ai besoin d'une fleur. Bellic a collé le disjoncté chez Scofield. Il est un peu... Tu vois? On sait jamais ce qu'il va faire. Scofield m'intéresse énormément. Je veux que le disjoncté dégage. Et pronto. Dégage, je rends pas service. Tu piges vite, le bleu. Alors on peut peut-être faire affaire. T'as besoin de quelque chose, en ce moment? Je verrais bien Scofield en tête à tête. Pourquoi? T'as pas besoin de savoir. Ok, d'accord. Tu fais sortir le disjoncté et je t'arrange un petit rencard avec Scofield. Mais lui fait pas mal. J'ai prévu quelque chose pour ce garçon. Des suggestions pour faire bouger le disjoncté? Il prend des médocs de dingue pour la tête. Échange-les avec de la morora, rayon produit chimique. Il sera envoyé à l'infirmerie. Sur la bonne voie. Scofield et moi en tête à tête dès que j'aurai mis de la morora dans les médocs. En y allant au bluff, peut-être que Scofield m'en dira plus sur ses plans. Alors, t'aimes pas faire la maintenance à Fox River, hein, Battaglia? Non, monsieur, pas du tout. Vraiment? C'est juste un taf, comme n'importe quel autre. Alors bouge tes grosses miches, feignant! Huh?
Ne me touche pas! Touche pas mon cerveau!
Encore la pleine lune? Du calme. J'ai 20 cc de dormir, ma mignonne. Juste là. Disjoncté est en route pour l'infirmerie. T'as arrangé le rencard ? Scofield est dans la remise. Il est à toi. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Il m'a dit que tu voulais me voir. Tu prépares une évasion. Je vais en être. Sinon, je balance tout à Bellic. Bien tenté. Tout le monde dans cette tôle a un plan pour sortir. Pourquoi moi je serais différent? Je sais que tu mijotes quelque chose. Dégage, le bleu. Plus le temps. Dégage. Il y aurait peut-être quelque chose à filer à Manix. Non, non, ça ne fait pas partie de l'accord. Je ne fais pas équipe avec cet abruti. Oncle Ladji, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Hé, toi, fillette! Retourne tout de suite dans la cour! Jack, j'en suis sûr. Scofield et Burroughs préparent une évasion. Abruzzi en est aussi. Quand ? J'en sais rien.
Sans doute bientôt. Burroughs a plus beaucoup de temps. Très bien, Paxton. Changement de plan. C'est fini l'observation. Faites tout ce qu'il faut pour vous assurer que Burroughs meurt sur la chaise. Pas tué par un gardien, pas suriné, pas dans une émeute. Empêchez-les par n'importe quel moyen, à part en tuant Burroughs. Je ferai au mieux, mais je suis qu'un poisson dans le grand aquarium. Faites-le, c'est tout. Ou je viendrai m'en charger moi-même s'il le faut. Occupez-vous de Burroughs et de leur plan. Devine quelle heure il est. Tatouage pour Tits! Je vais vous examiner. Comment c'est arrivé? J'ai ripé en me rasant. Évidemment. Je crois que ça s'est infecté. Vous devez rester à l'infirmerie pour la nuit. Docteur Tancredi, j'ai besoin d'aide avec le disjoncté. Vous régurgitez tout, c'est ça? Ouais, il vient de se mettre à vomir. Un oiseau de Scofield. Et un plan pour rouiller le tuyau. C'est pour ça que Scofield vient ici. Il va s'évader par là. Paxton, mène-toi, infirmerie! Ok, patron. Je dois juste fermer la scie. Dépêche-toi! Disjoncté a dessiné le tatouage. C'est son plan d'évasion. Si je peux mettre la main sur le reste des dessins, je pourrais mettre un terme au projet de Scofield. Au lieu de mains, des mitraillettes. Ce n'est pas un super pouvoir. T'as plus besoin de super pouvoir. Ah, T'as qu'à avoir deux mitraillettes. Pour avoir un super pouvoir, faut naître avec. Comme voler, ou avoir les doigts qui brillent. Ça sert à quoi, un petit doigt qui brille? J'ai besoin de torches pour explorer le cul des détenus. Ça suffit, les gars. C'est réservé. Trouvez votre propre fréquence. Mes excuses, monsieur. Rejoignez-moi, vous. D'accord. Dès que j'aurai fini mes rondes.
Qu'est-ce que c'est? Quoi encore? Allumez les lumières, il y a quelqu'un là-dedans. Moi, je deviendrai un mec araignée. Une force surhumaine, endurance, agilité, et en plus, tu peux escalader tout ce qui te fait plaisir. Trouve mieux. Tu veux toute saleté d'insectes? Les araignées, c'est pas des insectes, crétin. Ça change rien. Un coup d'insecticide et pouf, l'araignée. Je préfère être un bonhomme tout en pierre. Ça se tient. T'as déjà des cailloux dans le cerveau. Je plaisante pas. Qu'est-ce qui te tuerait? Tu vis des milliards d'années. Et quelle fille sortira avec toi, monsieur lèvre en pierre? Vas-y.
Mais bordel, tu vas la fermer ! Chemin vers l'enfer. Taré ! Ferme ta moule ou je m'en occupe moi-même ! Regardez ! Vous ne voyez pas ? Et voilà, je suis très énervé ! C'est le chemin vers l'enfer. Je le sais. Je vais te le montrer, le chemin vers l'enfer. Il a une carte sur le corps. Je l'ai vu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh, j'aurais dû faire des études. S'échapper. Capitaine, j'apprécie votre réactivité, mais il est clair qu'il s'agit là d'une fausse alarme. Dites à vos hommes de rester tranquilles.
Scofield a déclenché l'alarme pour voir la réaction des gardiens. Il prépare son petit voyage. Je dois mettre la main sur les plans de la prison et les comparer aux dessins du disjoncté.